Comme ça, Dave, je n'arrive pas à attacher ton nœud papillon. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis angoissée, Jessie. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil, Madame Christie. C'est normal que des petits aillent voir leur père. Oh, je sais, mais ça doit sûrement cacher quelque chose. Ça fait plus de 6 mois qu'on est sans nouvelles de lui. Ça lui a peut-être permis de réfléchir à la question. Tenez, le voilà. Viens vite embrasser ton papa, Dave. Viens. Oh. Qu'est-ce que tu as grandi. Et toi aussi, ma petite chérie. Walter, allez installer les enfants dans la voiture avec Jessie. J'ai quelque chose à dire à Madame Crossland. Allez. Christie, j'aimerais qu'on discute un peu tous les deux. Qu'y a-t-il, Alan? C'est une surprise. Qu'est-ce que tu manigances encore? J'ai envie de fermer la maison quelques mois. Pendant ce temps-là, tu iras faire un voyage avec les enfants. Oh, c'est gentil. Je suis sûre qu'ils seront ravis. Et on reviendra quand? Tu ne remettras pas les pieds ici, Christie. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'ils les emmènent? Ne fais pas d'esclandre, c'est trop tard, ça ne servirait à rien. Laisse-moi passer! Non! Vous n'avez pas le droit! Non, pas ça! Les déménageurs seront là cet après-midi. Je préférerais que tu ne les déranges pas. Et pour te laisser le temps de te retourner. Je me fiche pas mal de ton argent. Ce que je veux, ce sont mes enfants. Prends toujours, on sait jamais. Ça peut toujours servir, ma chérie. Tu as connu des périodes de dèche, ça pourrait recommencer. Je veux que tu me rendes mes enfants. Alan, tu n'as pas le droit de me faire ça. Rends-moi mes enfants. Je ne peux pas vivre sans eux. Rends-les-moi. Non, non, tu n'as pas le droit. Vous êtes sur la 5e. Vous êtes devant chez Tiffany. Est-ce que ça vous va? Hein? Parfait. Génial. Ok. On continue. Rapprochez-vous les unes des autres. Danny. Christie Collins veut te voir. Christie Collins en personne. Et je m'en occupe. Et voilà, mesdemoiselles. Il faut que je vous dise que vous êtes les filles les plus géniales que je connaisse. Et je suis sûr que dans peu de temps, vous ferez la une des journaux. Arrête ton chat, Rick, et dis-nous ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la séance est terminée. Oui! Ah, merci! Merci, salut! Qu'est-ce qui se passe? Rien n'a changé. Non, à part moi, bien sûr. Je ne suis plus ce que j'étais. Tu dois me trouver horrible. Mais après ce que je viens de passer... C'est un peu normal. Je suis au courant. Tout ce que tu m'as prédit est arrivé. Quand on couche avec un chien, on attrape des puces. Quelquefois, on s'en remet pas. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai peut-être ce que je mérite. Mais crois-moi, j'ai largement payé pour tous mes caprices de star. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Tout ça, c'est du passé. N'en parlons plus. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu me connais assez pour savoir que je ne suis pas venue pour rien. Sur ce plan-là, j'ai pas changé. Viens-en, au fait. Qu'est-ce que tu veux? Danny, il faut que je reprenne mon travail de mannequin. Je sais que tu pars pour les Bahamas et il faut à tout prix que j'y aille. Tu n'as même pas de quoi te payer un billet d'avion? Mais j'ai plus un sou, j'ai dépensé tout ce que j'avais. J'ai même été obligée de vendre ma voiture, mes bijoux et ma garde-robe. Tout ça pour essayer de récupérer mes enfants. Et j'ai plus de quoi aller les voir. Oh, écoute, je sais que j'ai pas un look terrible, mais avec un peu de maquillage, ça pourrait s'arranger. Ah, te fatigue pas, tu veux reprendre un travail de mannequin? Je t'engage. Vraiment? Oui, bien sûr. Oh, je te vaudrai ça un jour. Laisse tomber. Wow! Elle est super. Je suis incorrigible. Elle m'a roulé, je trouve le moyen de la réengager. Personnellement, elle m'inspire plutôt confiance. C'est sa force. En fait, elle a toujours trompé son monde. Et bien entendu, je n'ai pas fait exception à la règle. Elle m'a eu comme les autres. À ta place, je lui redonnerai une chance. Elle a de beaux restes. Je te le fais pas dire. Seulement, qu'est-ce que ça cache? Non, tu n'es pas un peu dur avec elle? Non. Elle s'est servie de moi. Elle tuerait père et mère pour réussir. C'est une arriviste. Elle a même failli faire mettre en prison une de mes filles. Dans ce cas, pourquoi tu l'as reprise? T'aurais pas dû. Moi, à ta place, je l'aurais virée.
Elle a demandé à ce que je la prenne comme mannequin. Mais tu ne fais plus que de la photo et c'est pas ton métier. Étant donné la personne à laquelle j'ai affaire, il doit y avoir quelque chose de louche là-dessous. Je vais en parler à Henri. Je crois qu'on va avoir du boulot. Quand tu m'as appelé, j'ai eu du mal à croire que tu voulais reprendre du service. Ce qui veut dire que tu n'as plus besoin de moi. J'ai toujours eu un faible pour toi, tu le sais. Étant donné tes relations avec Alan et ce qui s'est passé entre nous, je pense que tu éviteras de te mouiller. Je suis mon propre patron. Si j'ai envie de dépanner une vieille copine, j'en ai encore le droit. En l'épousant, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. J'aurais dû te dire. Revenons aux choses sérieuses. Quand dois-je prendre l'argent? Maintenant. Tu déposeras le contenu à Cayman International. Tu le mettras au compte de l'American Offshore Trust. Dante, à charge de revanche. Et merci d'avoir pensé à moi. Je te devais bien ça. Bonne chance. Merci. Ben voyons, fais pas cette gueule d'enterrement, y a pas de quoi. Tu ne perdras pas au change. Au fond, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu comptes faire, la dénoncer aux flics et la faire arrêter? Il faut que je l'élimine à tout prix, elle est prête à tout pour récupérer les enfants. Je pense qu'elle les aime, au fond. Michael, dans les affaires, on fait pas de sentiments. Dans ton intérêt, j'espère que les 25 000 dollars me seront restitués, car j'ai une comptabilité à tenir et je ne pourrai justifier d'une telle sorte. T'en fais pas, tu le récupéreras, ton fric, je te donne ma parole d'honneur. À la tienne. Elle était mariée avec Alan Crossland. Alan Crossland? Le banquier de mafia? Gagné. J'ai pensé que ça risquait de vous intéresser. Cet homme est un monstre, Danny. En aidant votre ami et en épinglant Crossland, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Je savais que vous feriez preuve d'humanité pour cette fois. Et qu'est-ce qu'elle vous a demandé? Elle veut retravailler. Rien d'autre? Elle s'est bien gardée de me le dire. À mon avis, elle veut essayer de gagner suffisamment d'argent pour récupérer ses enfants. Mais d'après moi, elle n'a pas la moindre chance. Et vous ne pensez pas que c'est un prétexte pour reprendre ses anciennes activités? C'est ce qui m'est venu à l'idée, figurez-vous. En fait, elle cherche une couverture pour justifier ses déplacements à destination des paradis fiscaux des Bahamas. J'avoue que je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Vous seriez disposé à prendre le risque d'affronter la mafia pour aider une de vos ex-employées qui n'a pas eu la moindre correction à votre égard et qui, non contente de ça, continue à vous mentir? Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. J'ai perdu des tas de filles qui étaient sous contrat chez moi parce que Crossland leur proposait des ponts d'or. Et j'aimerais y mettre un terme. Vous perdez pas le nord. J'aime assez. Je n'aurais aucun mal à voir le feu vert des autorités. Je veux que ce soit super. Génial. Christy, à toi de jouer. N'oublie pas que tu es le mannequin du siècle. Voilà. Parfait. Bon, Max, tu peux y aller. On n'a plus besoin de toi. Christy, tu veux passer au premier plan? Je vais prendre seul. D'accord. Tu as le beau look de toute l'Amérique. Génial. On arrête. On fait une petite pause. Calme-toi. Quoi, ça se voit tant que ça? Tu réagis comme tous les autres. Elle a l'air de te faire de l'effet. Mais chaîne Denis. Je suggère que tu ailles faire un petit tour dans la chambre de madame, histoire de nous donner un aperçu de la somme qu'elle transporte. Mais à vrai dire, ça m'embête un peu, Danny. Je pense que tu te trompes à son sujet. Elle est incapable d'une chose pareille. Parce que les hommes sont faciles à duper. Je te signale que c'est pas la première fille que je rencontre. Parce que les femmes sont méchantes entre elles. Bien sûr. Ne te laisse pas abuser. C'est une profiteuse née, je l'ai assez pratiquée. Écoute, je ne suis pas née de la dernière pluie. Bonjour. Non, on n'a pas le temps de respirer. Nous n'avons même pas été présentés, c'est regrettable. Je m'appelle Mac, enchanté. Vous pouvez me donner un coup de main? Je n'ai pas encore eu le temps de passer à l'hôtel pour déposer mes bagages et m'installer dans ma chambre. Non, non, laissez, je vous en prie. Oh, vais... Non, pas le sac. Prenez plutôt la grosse valise. D'accord. Et puis ça aussi. Celle-là. Ça fait le mal. Ça ne vous dérange pas trop?
Non, 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 c'est un plaisir. Pas de problème. Chambre 714. Très bien. 714. Ah, c'est vous. Oui. Désolée d'avoir été aussi long, mais il a fallu que je me change. Vous êtes adorable. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Non, mais c'est tout naturel. J'étais en train de me dire, vous n'avez peut-être pas eu le temps de manger, alors si vous voulez, on pourrait aller manger. Oh, je suis morte de fatigue, et si je ne prends pas une douche dans les 5 secondes qui vont suivre, je ne pourrai plus jurer de rien. On se verra plus tard. Elle est charmante. Est-ce que c'est une façon d'accueillir le meilleur, le seul ami qu'on ait au monde? Oh, Michael, tu m'as sauvé la vie. Ne défais pas tes bagages, je veux que tu t'installes à la maison. Et pourquoi? C'est très gentil à toi, je te remercie, mais je ne peux accepter. Chérie, est-ce que tu réalises que j'ai pris des risques considérables en te faisant travailler pour nous? Michael, tu es comme un frère. Vraiment? Alors tu me considères comme un frère. Tu n'as pas un sou de jugeote. Sais-tu pourquoi tu es ici? Parce qu'Alan l'a décidé. Il veut que tu ailles faire le dépôt à la banque demain et il te fera coffrer par les flics. Une fois en prison, tu lui ficheras définitivement la paix avec les enfants. Et tu as accepté de rentrer dans la combine? Qu'est-ce que tu crois? Entre nous, je n'ai pas eu le choix. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais fais pas cette tête, Christy. J'ai accepté toutes les conditions de Crossland. Il est persuadé que je marche avec lui. Et ça n'est pas le moment de le détromper. J'ai peut-être un moyen qui va nous permettre de nous en débarrasser définitivement. Quoi? Si tu acceptes de faire équipe avec moi, on peut tirer notre épingle du jeu. Moi, en le faisant coffrer, toi, en récupérant les enfants. Ça vaut le coup de réfléchir à la question. Oh, j'ai l'impression de vivre un véritable cauchemar. Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça? Non, ça n'est pas ce que j'ai voulu dire, Michael. Je n'ai pas les moyens de me mesurer à Alan Crossland. Je veux simplement récupérer mes enfants. Je t'en prie, Christy, ne fais pas l'innocent. Tu connais les règles du jeu. Tu vas me donner la mallette et je vais m'occuper du reste en ce qui concerne Alan. Michael, je t'en prie, ne fais pas ça. J'ai très peur. Non. Une femme rouée comme toi n'a peur de rien. C'est parce que je ne te plais pas. Non! La mallette, Christy. Ron, Madame Collins et moi-même n'avons pas trouvé de terrain d'entente. Alors amusez-vous bien et surtout, faites en sorte que l'on pense qu'il s'agit d'un simple cambriolage doublé d'un viol. Je vous en supplie, ne me touchez pas! Revenons à votre témoignage. Selon vous, M. Dolan a fait irruption dans votre chambre, mais la porte n'a pas été forcée. Quant à vous, M. Harper, comme par hasard, vous passiez par là. Vous êtes entré, vous aussi, sans forcer la porte, et vous avez trouvé Mme Collins aux prises avec un individu que vous avez jeté par la fenêtre. Non, nuance, j'ai voulu le séparer de Mme Collins, et c'est lui qui s'est jeté par la fenêtre. Ah bon? Et je vais croire ça. Ça s'est passé comme elle vous l'a raconté. Je ne suis qu'un témoin. Nuance, vous n'êtes pas témoin, mais protagoniste. Mais je ne vois pas ce que ça change. Le type est mort. Regardez-moi si vous voulez, mais libérez-la. Elle a eu assez d'ennuis pour aujourd'hui. Allons, arrêtez, vous n'obtiendrez rien. Elle ne s'en est pas si mal tirée, finalement.
Ce n'est pas le cas du monsieur qui a été défenestré. Après tout, ça n'était qu'un homme de main au service du roi de la pègre de cette île, monsieur Michael Dante. Si vous voulez bien m'excuser quelques minutes, j'ai un petit coup de téléphone à donner. Christy, vous pensez qu'il était vraiment opportun de citer... Oh non, mais ça risque de nous faire sortir. Ah oui? Dante ne peut pas me tuer tant que je suis en prison. Permettez-moi de douter de votre magnifique logique. Pourquoi? Il prendrait trop de risques à vouloir me faire tuer dans la prison. C'est après que ça risque de se gâter. Pour une mère de famille, je trouve que vous faites preuve d'un sang-froid absolument étonnant. Le mariage est parfois riche d'enseignements. Surtout lorsque vous réalisez que votre mari est le banquier de la mafia et qu'il est recherché par le FBI. À propos, dites-moi, qui êtes-vous au juste? Non, moi je ne suis pas sur leur liste. Non, mais vous étiez dans mon placard. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? On met carte sur table, on continue notre petit... Je préfère la première solution. Dans ce cas, Danny était persuadé que vous deviez passer illégalement des fonds sur l'île. C'est une fille formidable. Elle ne se trompait pas, c'est vrai. Merci de votre appel, commissaire, mais je suggère que vous les relâchiez. J'ai des témoins qui peuvent affirmer que M. Harper était en état de légitime défense. Je suis obligé de vous dire que mon employé était déprimé. Vous êtes un homme compréhensif. J'espère vous revoir très vite autour de nos tables, mon cher. Vous serez bienvenu. Pourquoi vous les faites libérer? Comment veux-tu qu'on les tue, elle et son nouveau chevalier servant? Crossland ne doit pas savoir que j'ai pris le fric à son nez et à sa barbe. Règle-moi cette affaire, qu'on n'en parle plus. Jusqu'à présent, vous aviez raison sur toute la ligne, Christy. Sauf pour les tueurs, il n'y en a pas. Ils ne sont pas fous au point de prendre un risque pareil devant une commissariat de police. Ah ben si. On va passer par le parc. La plage est tout près, on va pouvoir filer sans pêche. Mais c'est bon. Ils ne sont pas très loin. Vous continuez jusqu'à la plage, ensuite vous filez tout droit sur l'hôtel, compris? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai été élevé dans la jungle, je suis le fils de Tarzan. Donc je vais essayer d'occuper ces deux lascars pendant un moment. Et est-ce que je peux vous aider? Oui, en me donnant vos chaussures. Vite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'intention de vous déguiser en femme? C'est presque ça. Allez, filez. Restez baissés. Je suis désolée de ne pas avoir joué franc jeu avec toi, Danny. C'était impossible. Tu n'aurais jamais marché si je t'avais dit que je voulais passer de l'argent aux Bahamas. J'ignorais que tu travaillais en équipe avec Henri. Reprenons depuis le début. Que s'est-il passé exactement dans ta chambre? Que voulait Dante?
Eh bien, il a pris la mallette en me disant qu'il allait s'en servir pour faire pincer mon ex-mari une bonne fois pour toutes. Absolument fascinant. À vous trouver. Moi, personnellement, je suis plus que méfiante à son égard. Il est en possession de la mallette et toi, tu es en vie. Tu es donc un témoin très gênant pour lui. Tu représentes une menace certaine. Imagine que tu changes de camp et que tu te réconcilies avec Alan. J'aimerais savoir ce qu'il a prévu de faire. Oui. On pourrait lui donner un coup de main, temporairement en tout cas. Vous avez sonné? Quelle ponctualité. Je suis ravi de vous voir, Mac. Où est-ce que vous les avez dégotés? Dans le parc. J'ai pensé que vous pourriez les mettre au vert le temps de trouver l'argent. Oh, à quoi bon, puisque de toute façon, on ne pourra pas le déposer. Attendez, pas si vite. Si Dante est vraiment déterminé à faire tomber Alan Crossland, pourquoi ne pas profiter de l'occasion? C'est un moyen de récupérer les enfants et de vous donner le code bancaire de ce monsieur. Je ne demande pas mieux que de l'aider, mais il faut qu'on sache exactement quels sont ses plans. Mais ces messieurs vont nous le dire, n'est-ce pas? Si on parle, je donne pas cher de notre peau. Et si vous ne parlez pas, vous risquez votre peau quand même. Excusez-moi, vous pourriez peut-être m'aider. Eh bien, je ne demande que ça. Il serait préférable que ce que j'ai à vous dire ne s'ébruite pas. Voilà, j'ai sur moi une somme d'argent importante. Vous pourriez me donner un ordre d'idée, mademoiselle? $50,000. $50,000. Oui. Eh bien, je pense que M. Dante va se faire un plaisir de vous rendre personnellement ce service. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Entrez. Monsieur Dante, voici... Daniel Reynolds. J'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. J'ai fréquenté votre établissement dans le passé. Mademoiselle Reynolds assure elle une somme d'argent un peu trop importante et elle aimerait... Oui, je serais, disons, plus tranquille si elle était dans votre coffre. Je vais vérifier le montant exact de votre dépôt si vous ne voyez pas d'inconvénient. Oh, certainement. $50,000. Oui, c'est ça. Entre nous, mademoiselle Reynolds, je trouve que c'est une somme importante pour une femme seule. Est-ce que vous jouez beaucoup? Oh, c'est un besoin, une véritable drogue. Attention, vous savez où ça peut mener. Je serai prudente. Oh, à propos, il me semble que vous connaissez une de mes filles, Christy Collins. Une de mes filles? Oui, un de mes mannequins. Elle m'a dit qu'elle désirait vous parler. Et elle est au casino, en ce moment? Oui. Elle attend au bar. Pourquoi? Si vous voulez bien m'excuser. Mademoiselle Reynolds. Au plaisir. Quoi? Il s'agit du code pour rentrer dans son bureau. Je suis bête. Je n'ai pas pu lire la combinaison du coffre parce qu'il était debout juste devant. Alors quand tu arrives dans le bureau, tu fonces droit sur le tableau. Non. Oui. Je l'ai. Sur le 15.
Que nous vaut le plaisir de ta présence ici? Je pense que tu as en ta possession un objet qui m'appartient. Si je ne sors pas de cet endroit avec la mallette, Michael, je vais me faire un plaisir d'appeler mon ex-mari et lui expliquer que tu as essayé de le doubler. Il ne te croira jamais. Oh que si. Surtout lorsque je lui raconterai que ton gorille est passé par la fenêtre. Tu es trop intelligente pour faire une bêtise pareille, Christine. Il y a peut-être un moyen de s'arranger tous les deux. Qu'y a-t-il? Une de nos amies vient de se faire voler son sac. Est-ce que vous pouvez venir voir? Bien sûr. Merci. Après ce que tu viens de me dire, j'ai peut-être une raison d'espérer. J'ai jamais dit ça. Tout ce qui compte finalement dans cette histoire, c'est que je m'en sois tirée. Qui est le type courageux qui est venu à ton secours? Il s'appelle Mac Harper. C'est un des mannequins de notre équipe. Oh, sans blague. Pour un mannequin, il se défend pas mal du tout. Ah, tu ne me crois pas? Tu n'as qu'à interroger ton ordinateur. Tu as toujours le dernier mot. Je te connais comme si je t'avais fait. Et tu n'es pas le genre de fille à abandonner. Excusez-moi, je peux vous parler? Bien sûr. Attendez-moi, je suis à vous dans une minute. Non, est-ce que je peux vous accompagner? Désolé, je dois aller vérifier quelque chose dans la salle des coffres. C'est strictement interdit au public. Vous allez rédiger votre plainte. Attendez, cette fois, j'en suis sûre, c'est cet homme, je le reconnais. Là, vous voyez? Le premier. Non, tu te trompes. Oh non, c'est pas lui. Je vais quand même chercher les formules. Merci beaucoup, merci. Et vous êtes en galant de compagnie? Décidément, vous tombez toujours à pic. Si vous permettez, je vous l'emprunte. Excusez-moi. Et à votre place, je ne ferai pas l'idiot. Oh, inutile d'appeler. Alors qu'il est, la mallette en question est probablement loin déjà, alors faites gentiment ce qu'on vous dit. Encore un petit conseil d'ami. Évitez de nous faire descendre, sinon son ex-mari se chargera de vous. Dans votre coffre, vous trouverez les instructions pour nous contacter. Si vous croyez que je vais vous aider à épingler Crossland, vous êtes fou. Je ferais mieux de me tirer tout de suite une balle dans la tête. La seule chose qui l'intéresse, c'est de récupérer ses enfants. Réfléchissez, monsieur Dante. Je ne pense pas que vous ayez le choix. Non, ils nous ont eu. $1 million. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Eh bien, je suis très honoré, Madame Reynolds. Cependant, j'avoue que je n'ai pas tout à fait compris votre message. C'est pour cela que je suis ici, pour vous expliquer le contenu, Monsieur Crossland. Non, Alan. Alan, je n'apprécie guère que vous utilisiez mes mannequins pour transférer illégalement vos fonds des banques américaines à vos comptes numérotés. C'est trop facile. Eh bien, vous êtes extrêmement direct, mais j'avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir. J'imagine que vous avez une autre raison. Je vous propose un marché.
j'accepte de me taire à une seule condition. C'est que vous laissiez mes filles en paix une fois pour toutes. Est-ce clair? Et qu'est-ce que vous m'offrez en contrepartie? Je ne suis pas philanthrope, vous devriez le savoir. Par l'intermédiaire de Dante, vous avez fait remettre à votre femme une valise à Las Vegas. Vous avez prétendu qu'elle contenait 25 000 $. Lorsque Dante a intercepté la mallette, qu'il l'a ouverte, il a dit qu'elle contenait 1 000 000 $. Ce qui implique que vous et votre femme avez un autre projet, mettre la différence dans votre poche. Et cette somme d'argent ne vous appartient pas, bien évidemment. Mais il y a un petit problème, madame. Il n'y a pas 1 000 000 $. Et moi, je vous dis que si. Michael Dante l'a déposé à votre nom à la banque ce matin. Ce qui laisserait supposer qu'il est de mèche avec votre femme. Il en est incapable. Voyons les choses en face. Nous avons affaire à une femme qui n'éprouve que de la haine pour vous. Elle est capable du pire et vous n'ignorez sans doute pas que Michael Dante est amoureux de votre femme. Vous ne m'apprenez rien et vous êtes extrêmement convaincante. Mais qui me prouve que vous dites la vérité? Veuillez m'excuser, monsieur. Monsieur Michael Dante est en ligne. Est-ce que vous le prenez? Oui. Excusez-moi. Tu es tombé du lit, Michael? Ouais, si on veut. Je voudrais te dire que ta femme n'a pas fait le dépôt en banque comme tu l'avais prévu initialement. Non? Non. Qu'est-ce qu'elle manigance? Aucune idée. Tu veux que je m'en occupe et que je récupère la mallette? Non, non, mais je m'en chargerai. Christy est dans ta chambre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Non, elle est restée au Royal Hotel. Seulement, elle exige de te rencontrer ailleurs. Et tu peux me dire où elle veut me rencontrer? À l'aéroport. Elle dit que si tu lui ramènes les enfants, elle accepte de te restituer la mallette. Sinon, elle se verra obligée de l'ouvrir et je pense que ça risque de te coûter très cher. Mon pauvre Michael, que veux-tu que je risque? Qu'est-ce que 25 000 $? C'est une somme tout à fait ridicule. Il y a un hic. Il faut que je t'explique, Alan. C'est qu'il y a un bruit qui court comme quoi, dans la valise, il y aurait une somme approchant les 1 000 000 $. Et ne me dis pas que tu n'étais pas au courant, je ne te croirais pas. Organise l'entrevue, Michael. J'exige que tu y assistes. Commissaire, quelle peine emporte-t-on pour un kidnapping aux îles Caïmans? La pendaison. Vous avez un cas à me soumettre? Il semble que mon ex-femme voudrait échanger mes enfants contre 1 000 000 $ qui ne lui appartient pas, puisqu'il s'agit de fonds dont moi seul ai la responsabilité. Comment est-ce possible? Vous avez la réputation d'être un financier irréprochable. D'après certaines sources, elle aurait des amis extrêmement peu recommandables. Naturellement, je ne peux pas laisser passer une chose pareille. Il faut que je sache qui est derrière toute cette histoire. Si un crime a été commis dans ma juridiction, je peux vous assurer qu'il ne sera pas impuni. Elle a mis une condition, c'est que l'échange se fasse en votre présence pour garantir la sécurité des enfants. J'y aurais assisté de toute façon. Très franchement, je n'apprécie guère ce genre d'opération, surtout dans mon secteur. Je vais donc prendre les mesures qui s'imposent pour appréhender les coupables, une fois que les enfants et l'argent seront en lieu sûr. N'entreprenez pas d'action violente tant que les enfants n'auront pas quitté l'aéroport. Ils sont innocents. Au cas où vous n'auriez pas été présenté, voici 000-888-7614, Milton Cusworth. Il est le père de l'ordinateur de fraude bancaire. Enchanté. Quelle jolie femme! Milton, vous allez nous expliquer ce que vous comptez faire. J'ai de bonnes raisons de penser que chacune de vos paroles risque d'être lourde de conséquences. 9 h, Henry. La banque ouvre dans 1 h. Si jamais il flaire quelque chose, on est cuit. Laissez-moi un peu de temps, il faut que je me mette en rapport avec l'ordinateur de la banque. Ils viennent d'ouvrir. Allons-y. Pas d'imprudence. Merci. Pourriez-vous me dire ce qui se passe exactement? En fait, c'est d'une simplicité enfantine. Je m'explique. Vous avez des comptes bancaires secrets dont vous seul connaissez les numéros. Si jamais le fisc venait à les connaître, en liaison avec le FBI, il n'aurait aucun mal à vous coincer. C'est pour cette raison que vous vous gardez de claironner que vous avez un compte ici. Ça risque peut-être de changer. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Chut, attention, elle arrive. Bonjour, que puis-je pour vous? J'ai un dépôt à faire. 1 000 000 $ au nom de l'American Offshore Trust. 1 000 000 $? Il faut qu'il soit encaissé immédiatement. L'ordinateur va le mémoriser. Merci beaucoup. Je prépare votre reçu. Qu'est-ce qui va se passer?
J'ai interrogé l'ordinateur pour qu'il me communique les comptes créditeurs d'au moins 1 million de dollars à 10h05 ce matin. Il n'y en a pas énormément, vous savez. Vous êtes sûr d'avoir la réponse ? Oh, je suis capable de lui faire chanter au clair de la lune en clé de sol si je veux. Dès que je serai en possession de ces éléments d'une importance capitale, j'arriverai à percer les secrets de la mafia. Et au travers de leurs transactions, je pourrai remonter toute la filière. On fera un beau coup de filet. C'est comme un domino. Un compte vous rapproche d'un autre compte. Attendez un peu. Il s'agit bien d'épingler Crossland. C'est ce qui avait été convenu ce matin. Il me semble que ça devait s'arrêter là. Oh, vous croyez ? Vous n'êtes pas naïf à ce point. J'ai eu la peur de ma vie. Est-ce que ça a marché? Et vous le demandez? Mais c'est infaillible. N'oubliez pas que je suis le Einstein de la fraude bancaire sur ordinateur, le super spécialiste. J'ai trouvé les vêtements de Mac. Par contre, l'oiseau s'est envolé. Est-ce que tu pourrais me dire où il est passé pour que je puisse l'habiller? Rick, ne t'affole pas, il risque d'arriver au dernier moment. Où est Christy? Christy, eh bien, à ta place, j'essaierai d'oublier Christy. Je t'expliquerai plus tard. Ah, si je dérange, faut me le dire, je crois que j'ai compris. Oui. Ce monsieur parlait de Christy Collins, je suis intéressé aussi par cette personne. Je me présente, je suis le commissaire Jourdan. Oh, bonjour, je suis Danny Reynolds, photographe de mode. Vous voulez voir mon permis? Je suis en règle. Ça ne sera pas nécessaire. Oh. Pouvez-vous me dire, est-ce normal qu'il y ait autant de surveillance? Nous avons pris certaines dispositions en cas d'incident. D'incident? J'espère que mon équipe ne court aucun danger. Absolument aucun, tant que la photo de mode est leur seule raison d'être à l'aéroport. Je suis persuadée que si ça n'était pas le cas dans mon équipe, vous auriez été averti. Je suis parfaitement en règle. Et si nous parlions de Madame Collins, êtes-vous certaine qu'elle n'est là que pour des raisons professionnelles? Oh, tout à fait. Et une bonne raison, ses enfants. Vous pouvez préciser? Oui, elle essaie d'obtenir que leur père les lui ramène. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour elle? Elle tient à les avoir avec elle, c'est normal. Inutile de vous dire que je serai plus qu'attentif au déroulement de l'opération. Je n'aime pas le scandale. Je serai inflexible. Oh, j'espère que vous ne serez pas déçu, commissaire. Et qu'est-ce qu'ils foutent là, bon Dieu? Des photos de mode, d'après Madame Reynolds. Vous croyez quand même pas que mes gosses vont être obligés de supporter cette frime? Soyez sans crainte, toutes les mesures de sécurité ont été prises, tout est prévu. L'échange peut se faire. Et s'il y avait extorsion de fonds, vous pourrez toujours engager des poursuites. En quoi ça vous regarde? Et l'origine de ce million de dollars que votre femme est censée vous restituer, il faut le justifier. C'est mon problème. C'est sa parole contre la vôtre, vous êtes d'accord avec moi? Et si elle ne vous le rendait pas? Dans cette éventualité, c'est un problème que vous seul pourrez régler avec elle. Écoutez, commissaire, épargnez-nous vos considérations techniques. Vous feriez mieux d'expliquer à vos hommes que ce ne sont pas les filles qu'il faut regarder, mais l'avion. Vous comprendrez, monsieur Crossland, que dans cette situation, il est préférable d'éloigner rapidement les enfants. Jesse, vous allez sortir avec les petits et suivre ce monsieur-là. Bien, monsieur. Allez, viens. Allez, les filles, on ne bouge plus. Un peu plus à droite. Oui. Merci. Ça sent le poulet à plein nez. Quand je pense que je les ai sur le dos depuis une heure, je me suis fait un sang d'encre. J'espère qu'au moins ça a servi à quelque chose. Et ça, vous pensez que c'est le boulot d'un amateur, alors? Tout est là, sur ce petit bout de papier? Ça va faire l'effet d'une bombe atomique. Une fois ce numéro aux mains des flics, je ne donne pas cher de ces messieurs de la mafia. Et dire que c'est moi tout seul qui ai mené jusqu'au bout cette opération de génie. Mac! Hey! Voilà, c'est ça que tu dois mettre. J'enfile juste la veste, j'ai pas le temps. Mais ça va pas aller avec le reste. Oh, fiche-moi la paix, c'est pas le moment. Vous vous êtes donné tous les deux, vous passez vos nerfs sur moi ou quoi? Oui, c'est un peu ça. Tu veux bien faire rentrer les filles dans la caravane, d'accord? Tout ce que tu voudras. Merci. Écoute, Mac, tu crois que c'est nécessaire? J'ai pas à faire un enfant de cœur, tu le sais. Je sais. Allez, j'y vais. Alors, Crossland, prêt à négocier? Absolument hors de question. Chapeau, c'était pas mal, Dante. Mais je sais d'où il sort ton million de dollars. Tout simplement de ton casino, rien de plus facile.
Après, tu t'es trouvé un comptable marron à Las Vegas qui a accepté de falsifier les comptes pour qu'on pense que c'est moi qui ai fait sortir le fric. Eh oui, ça tient debout ce que tu racontes. Seulement, il y a comme un petit problème. Je crois bien que cette fois, M. Crossland est grillé. Le FBI y a mis ta tête à prix. Non. Tu perds ton temps, personne ne te croira. Tu penses quand même pas que c'est un minable comme toi qui te fera tomber. Je n'ai aucune raison de payer ma femme. Plus rien de ce qu'elle a ne m'intéresse ni ne me concerne. Sauf ceci. Vous êtes le seul qui ait pu lui communiquer ce numéro. Comment est-ce que vous avez pu vous procurer ce numéro de compte que je suis le seul à connaître? On vous parlait peut-être dans votre sommeil. Non, je crois que si vous avez volé cet argent, c'est pour acheter le silence de Christie. Je serai en mesure de les convaincre que je n'ai rien à y voir. Ça ne tient pas debout. Vous perdez votre temps, cher. Lorsque la police recevra cette preuve, dans un peu moins d'une heure... Je serai loin. Allons, venez, on va monter. Et ne vous avisez surtout pas de m'en empêcher. Non, attendez, Crossland, une minute. Je vais l'embarquer à Las Vegas pour qu'il leur explique tout. Il n'est pas question que je te suive. Attention! Bravo. On ne le dirait pas, mais c'est la première fois. Allons-y. On continue sur notre lancée. Oui, très bien, les filles. Plus que 4 prises et vous serez libres. Voilà, parfait. Très bien. Pas sous les bananes. Salut. Désolée de te déranger, mais voilà Christy. Non, bouge pas, j'y vais. Je reviens dans